Devant l'école vide, les enfants avaient l'air absents. Les hommes étaient déjà partis pour les travaux des champs. Les femmes la regardaient derrière les rideaux, pendant qu'elle embarquait dans sa vieille de chevaux. Le maire et le curé échangeaient quelques mots. Le village allait pouvoir respirer de nouveau. Les enfants étaient tristes, mais ils oublieraient vite. D'ailleurs, dès demain matin, arrivait l'autre instit. Elle avait pris son poste il y a 6 mois à peine. Cheveux frisés, moutons, une longue robe indienne. Dans sa guimbarde violette, cocarde et de slogans, que poussaient vers l'école les enfants en riant. Le village assoupi d'un coup s'est réveillé. Se pouvait-il qu'une fille comme ça ait charge d'écoliers? Vous pouvez me dire tu, me poser des questions. Appelez-moi Christy, disait-elle aux enfants. Christy, Christy, t'avais le tort en plus d'être un peu trop jolie. Christy, Christy. Du coffre de la deux chevaux, elle sortait des livres et des disques, des instruments bizarres venus d'Inde ou d'Afrique, des tapis de couleurs, des cuivres martelés. Les enfants fascinés l'écoutaient raconter. Derrière les volets clos, les rideaux de dentelle, les regards se firent durs et les langues vipères. D'ailleurs ne vit-on point dans les jours qui suivirent de quoi donner raison à ceux qui pensaient au pire. Les enfants épanouis s'envolaient vers l'école et revenaient en posant les questions les plus folles. Qu'est-ce qu'on fait sur la terre? Qu'est-ce que la liberté? On voudrait bien savoir ce que vous en pensez. Depuis qu'elle était là, il y avait souvent des étrangers qui venaient au village à moto ou à pied. La couleur de leur peau n'était pas catholique, pas plus que ne l'était le son de la musique. Christy, Christy, t'avais le tort en plus d'être un peu trop jolie. Christy, Christy. Les résultats scolaires étant tous excellents, on trouva ça bizarre, bien plus que surprenant. La sorcière était là, au milieu des enfants. Il fallait agir vite, le danger était grand. Les lettres de corbeau firent leur apparition, puis ce fut les injures avant la pétition. Quelqu'un fut délégué de par l'académie. L'affaire fit un grand bruit jusque même à Paris. Christy, Christy, t'avais le tort en plus d'être un peu trop jolie. Christy, Christy.